Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux. Là, aujourd'hui, je parle pas très fort pour cette vidéo parce qu'on est confronté à un problème. Je vous explique, nous avons encore une fois Jeff the Killer qui traîne dans la maison. Oui, oui, je sais pas comment est-ce qu'il a encore fait pour s'introduire, mais il est actuellement là dans la maison. C'est pour ça que je peux pas parler très très fort, les gars. En tout cas, là, ce soir, j'ai décidé d'allumer la caméra. On est quand même obligé de faire quelque chose. On peut pas laisser Jeff the Killer comme ça se promener dans la maison. Et surtout, on le sait très très bien, Jeff the Killer peut se montrer très 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 dangereux. Et puis, vous le savez, à la maison, je suis pas tout seul. Il y a Sim Spooky qui est en danger, Yas Spooky ou encore Raph Spooky, c'est trop dangereux les gars. Alors bon, dites-vous que dans tous les cas ce problème sera réglé parce qu'on prévoit de déménager très 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 bientôt. D'ailleurs, restez bien bien connectés pour ne rater aucune des prochaines vidéos dans la nouvelle maison. Et donc pour cela, vous êtes quand même bien obligé de vous abonner en activant la cloche des notifications, c'est très 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 important. Alors bon, je pense que vous le savez très très bien, un déménagement c'est souvent très 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 long et le temps qu'on mette en place tout ça, il faut quand même trouver une solution pour pouvoir se débarrasser de Jeff the Killer. Bon, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors pour cette vidéo, je vous rassure, je suis pas tout seul, Sim Spooky est toujours ici présent pour m'accompagner. Eh ben ouais, Raptek, au vu de la situation, j'étais bien obligé d'être présent pour cette vidéo parce que là, c'est vraiment très 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 dangereux là ce qui se passe, hein. Eh mais quoi? Attends, là, c'est pas normal là ce qui se passe là. Quoi? Là, qu'est-ce qu'il y a? Regarde derrière, regarde! Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde! Non, mais il est toujours là ce Jeff the Killer, on voit jamais s'en sortir, hein. Ouais, puis, attends, comme d'habitude ouais, en fait, hein. Mais bah, regarde, c'est encore parce qu'il est 3h du matin. Non, mais on va jamais s'en sortir. Attends, viens. Faudrait qu'on se cache quand même. Là, qu'on se fasse repérer. Regarde. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là, David? Il est en train de se diriger vers le sous-sol là. Ouais, regarde. Attends, regarde la porte. Ouais. Ça bouge là. Viens, on va aller voir. On va aller voir. Il a fermé là. Il a fermé. Attends, je regarde. Et regarde, je t'avais dit qu'il descendait au sous-sol. Attends, mais je crois que j'ai une idée là en fait. Ouais, dis-moi. Pourquoi pas en refaire ma clé, non? Comme ça on sera en sécurité. Vas-y, ferme ma clé. Ouf, bah ça y est, on est en sécurité. J'ai stressé quand même, hein. On a eu chaud là, hein. Eh ouais, bien joué Sim Spooky, mais pour le coup, je pense que c'est une solution provisoire. Va falloir trouver une solution radicale. Tu vois ce que je veux dire ou pas déjà là? Eh, j'ai pu me renseigner un petit peu sur internet et j'ai déjà ma petite idée. Écoute-moi bien, dis-toi que la pire phobie de Jeff the Killer, c'est Slenderman. Et donc, bah, si Slenderman c'est la pire phobie de Jeff the Killer, c'est très très simple. J'ai eu pour idée de faire venir Slenderman ici même à la maison ce soir pour pouvoir faire fuir Jeff the Killer. Voilà, on sera tranquille, on s'en sera débarrassé. Tu comprends, Sim Spooky? Mais attends, Rob, t'es clash, t'arrêtes tout de suite. T'es sûr que c'est pas dangereux là de confronter ces deux créatures là? Non, ça va, mais on n'a pas le choix. C'est clairement la seule solution. Comment tu comptes t'y prendre au juste là? Explique-moi. Mais en fait, c'est simple. J'ai qu'à appeler Slenderman et je lui dis qu'il y a Jeff the Killer à la maison. Bah ouais, voilà, c'est tout en fait. Allez, on va au salon et on prépare tout ça. Let's go. Okay. Bon, et bah ça y est les gars, j'ai mon téléphone en main, je me sens prêt et j'ai bien évidemment le contact de Slenderman dans mon téléphone. Attendez, je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça, Slenderman. Et ouais les gars. Attends, mais je crois là que j'ai une meilleure idée en fait. Ah ouais. Pourquoi pas on appellerait Slenderman et Jeff the Killer en même temps? Quoi? T'es sûr? Mais attends, mais c'est pas fini. Quoi? En FaceTime. Quoi? T'es sérieux? Mais ouais, ça serait une dinguerie, non? Attends, mais moi j'en demandais pas autant là, Sim Spooky. T'es sûr de toi? Mais oui. Ok, bon bah écoute, c'est risqué, mais vas-y, donne-moi ton téléphone, hein. Moi je suis chaud. Tiens. Moi les gars, je dis pas non, hein. Donc bien évidemment, t'as le contact de Jeff the Killer, je suppose. Ouais, j'ai le contact. Ok. Bon bah les gars, je vais directement préparer tout ça. Regarde un peu ce que j'ai préparé. Et il y a les deux téléphones. Donc là, c'est mon téléphone avec le contact de Slenderman, tu vois. Okay. Et là, c'est ton téléphone avec le contact de Jeff the Killer. Et moi, j'ai juste à activer l'appel FaceTime et on touche plus. On les laisse communiquer entre eux. T'es prêt? Ouais, je suis trop prêt. Oh, hey, les gars, un maximum de likes. C'est parti, on commence. C'est parti. Regarde, on appelle en FaceTime. Voilà, et là on fait pareil de ce côté-là. Regarde. Vas-y. Hop, en FaceTime. Et ça y est, c'est parti. Regarde. Let's go. Là maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça réponde. Mais les téléphones sont bien face à face. On n'a rien à faire, on n'a plus qu'à regarder maintenant. Regarde. Allez. J'espère que ça va répondre rapidement. Ça prend du temps là, je crains le pire, hein. Eh bah attends, je crois que ça a répondu. Regarde. Allô? Slenderman? Jeff the Killer? Tiens, Jeff the Killer. Alors comme ça, tu m'appelles? Je crois qu'ils vont commencer à communiquer entre eux. Maintenant, on n'a qu'à écouter, on n'a rien à faire. D'accord? Écoute. Mais attends, c'est toi qui m'as appelé plutôt là, non? Non. C'est pas moi qui t'ai appelé. Je te rappelle que j'ai de très très bons souvenirs sanglants de toi. Gros, t'entends? Apparemment, ce seraient des ennemis de longue date. Eh, ouais, c'est dingue, franchement, là, on tient quelque chose, hein. Eh ouais, regarde un peu ça. Mais
Attends, je comprends pas, mais je t'ai pas appelé. Tu vas passer la pire nuit de ta vie. Là, c'est une dinguerie, franchement. Là, c'est une grosse dinguerie, t'entends? J'ai comme l'impression que Jeff the Killer est apeuré par Slenderman. J'avais raison, hein, c'est bien ça. Eh oui, moi bien, tu sais qu'il me faut quelques secondes pour pouvoir me téléporter où je veux. Bon, allez, non, moi, ça y est, je raccroche, je raccroche. Jeff the Killer a raccroché. Je crois qu'il a pas assumé. Hein. Ouais. Attends. Oh, t'entends? T'as entendu là? Mais j'ai entendu. Regarde. Attends. Oh. Attends. C'est Jeff the Killer. Viens. Faut se cacher. Vite. Mais cache-toi. Je te cache. Vite. Ah non, moi, je crois que c'est déjà trop tard. Regarde. Vous là. Quoi? Pourquoi est-ce que vous m'avez mis en contact avec Slenderman? Attends. Tranquille, Jeff. Écoute, on peut s'expliquer. On t'a pas mis en contact avec Slenderman? Si. Non, c'est pas nous. Si, c'est vous. Quoi? Je t'en suis sûr que c'est vous. Je sais. Ok, on peut s'expliquer. Ok, on peut s'arranger, hein? Non, on peut pas s'arranger. Mais quoi, comment ça? À cause de vous, Slenderman veut ma peau. Quoi? Il veut ma peau, c'est de votre faute. Écoute, calme-toi, Jeff, ok? Non, je me calmerai pas. J'ai une solution. C'est quoi ce délire? Il y a Slenderman! T'as vu? Dès que Jeff the Killer a aperçu Slenderman à la fenêtre, il est parti! Et il s'est enfui! Bah ouais! Mais à mon avis là, il doit être dehors, non? Jeff the Killer a pris la fuite là dehors! Oh, oui, il s'est enfui! Ouais, c'est ça, t'as carrément raison en fait! Mais là par contre, ce qui se passe, c'est que Jeff the Killer s'est enfui de la maison. À mon avis, il devrait probablement y avoir une confrontation à l'extérieur entre Slenderman et Jeff the Killer là maintenant! Eh, on peut pas rater ça! Viens, on va aller essayer de voir, on va faire tout le tour de la maison s'il faut, mais moi je veux voir ça, je veux voir la confrontation! Dépêche. Ok, suis-moi. On va faire le tour de la maison. Ok, bon là on va devoir faire le tour de toute la maison. Mais il va falloir qu'on fasse vraiment très attention. Faudrait pas qu'on tombe sur un Jeff the Killer ou un Slenderman sauvage. Tu vois ce que je veux dire? T'as raison. Ça serait vraiment flippant là pour le coup. Je crois qu'il y a un gros problème là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Regarde derrière toi. Quoi, mais... Derrière toi. Il y a la fenêtre, qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, là, mais regarde, la baie vitrée. Là. Mais attends. Mais qu'est-ce qui se passe là? Regarde, il y a Slenderman, il y a Jeff the Killer. Oh, il y a une confrontation là pour le coup. Mais ils sont dans la maison, ils sont pas à l'extérieur. Je comprends rien là. Regarde. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Oh, regardez, il y a Jeff the Killer là juste à gauche et là juste à droite il y a Slenderman. Eh, là j'ai hâte de voir qui va gagner hein. Allez. Attention. Eh, à ton avis, c'est qui gagne? Je sais pas, moi je pense que c'est Slenderman hein. Ouais, je pense aussi. Il est plus puissant. Regarde un peu ça les gars. Regardez-moi un peu ça les gars. Bon, à mon avis, c'est Slenderman qui gagne hein. Mais oui, c'est sûr. Attends, regarde, qu'est-ce qui se passe là? Attends. Il est où Slenderman? Attends, mais tu l'as vu? Mais c'est quoi ce délire? Mais attends, il a clairement disparu là, d'un coup comme ça. Oui, il a disparu. En même temps, c'est Slenderman quoi, c'est ses pouvoirs hein. Attends. Mais oui. Il est là, il arrive, il revient, regarde. Hey, Sim Spooky, il revient, regarde. Là, il y a Slenderman. Voilà. Il y a de nouveau une confrontation là, t'as vu? Ouais, regarde. Attends, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il s'approche. Oh bah voilà. Hey, là, le Jeff the Killer, il est foutu. Wow. Regarde. Non, il se fait traîner. Regarde un peu ça. Oh, mais c'est une dinguerie, j'en étais sûr que c'était Slenderman qui allait gagner. Regarde un peu ça. Oh là, regarde. Ouais, ça y est. Bon, attends, moi j'ai bien envie de voir ça de plus près. Hein. Je propose qu'on rentre dans la maison. Tu me suis? Ouais, vas-y, tu me suis. Allez, viens. Dépêche-toi. Chut. Faut être discret. Bah ouais, fais pas beaucoup de bruit. Hein. Regarde, non, je sais pas trop. Regarde, là. C'est Slenderman qui est en train de traîner Jeff the Killer. C'est quoi ce délire là? Attends, viens, on va essayer de t'approcher. Fais attention quand même. Oh. Je crois qu'il m'a repéré là. Ok. Attends, on va quand même rester caché. Il m'a vu. Là pour le coup, il m'a vu. Hein. Attends, mais regarde. Oula. Il se parle normal, t'as vu? Ouais, comment c'est? Ils sont en train de communiquer, c'est bizarre. Ouais. Regarde là, il s'approche. Non, lâche-moi. Mais pousse-toi. Hop, t'es là, vite. Vite, on ferme. C'est vraiment chaud là ce qui s'est passé, t'as vu? Ils se sont jetés sur nous et tout. On a eu chaud hein. Ils re-rentrent? On peut fermer la clé? Faut qu'on se cache. Bah normalement oui, mais j'ai du mal fermé. Mais c'est pas grave. Cache-toi, faut qu'on se cache.
cherche. Il se dirige vers la cuisine. Ouais. Tiens, prends la caméra. On a eu chaud, là. Pour le coup, ils croient qu'on est parti jusqu'à la cuisine. Et là, maintenant, ça nous laisse le temps de retrouver une solution. Mais il faut faire vite, ok? Attends, laisse-moi essayer de réfléchir, là. Je sais, je crois que j'ai une idée. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut plonger toute la maison dans le noir. Et là, comme ça, ils vont plus pouvoir se repérer, vu qu'il fait tout noir dans la maison, tu vois. De toute façon, on va pas avoir le choix, hein. Ouais, ok. Attends, le tableau électrique est juste là-bas derrière. Viens. Ouais, t'as raison, le tableau électrique est juste là. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout éteindre. Ouais, mais toute la maison. Toute la maison doit être dans le noir total, ok? Allez, j'éteins tout, hein. Ok, hop, voilà, hop. Et voilà, on est dans le noir complet, là. Ça y est, j'ai allumé la lumière. Ok, parfait. Bon, et bah maintenant, on a qu'à observer Slenderman et Jeff the Killer, comment est-ce qu'ils se comportent dans la maison, dans le noir total comme ça. Eh, bah, je crois qu'ils étaient au garage. Mais ouais, c'est... Essaye de jeter un œil discrètement pour voir. Vas-y, regarde. C'est Slenderman, ça? Mais ouais, c'est Slender. Ouais, regarde. Slenderman est juste derrière Jeff the Killer, mais là, pour le coup, ils voient rien du tout. Ça se voit, ils sont complètement perdus. Écoute un peu. Slenderman est carrément tombé. Eh, ça marche du tonnerre, hein. Ils voient rien du tout, en fait. Ils sont complètement perdus. Regarde un peu, là. Ok, bon, nous, on va pas rester là, faudrait peut-être se cacher. Attends, on va se cacher peut-être au niveau de l'escalier. Viens, regarde. Hey, t'as vu, ils sont complètement désorientés. Le coup de la lumière, c'était une bonne idée, hein, pour le coup. Regarde un peu. Oh là, c'est une dinguerie quand même, ça a vraiment bien marché. Attends, viens. Oh. Ils viennent de se toucher, viens. Ouais, t'as vu. Attends, regarde. Mais ça sent la bagarre là, je crois, par contre. Attends, tu vois, il vient de rentrer dans la salle de bain. Je vais en profiter. Viens, vite. Ok, ça y est, j'ai fermé. Voilà, j'ai fermé, les gars. Bon, maintenant, le temps qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont enfermés dans la salle de bain, je te propose qu'on s'enfuit de la maison, ok? Allez, on peut pas rester là, c'est trop dangereux. Vite. Ils sont vraiment dangereux, ces deux-là, hein. Vite. Cours. C'était fou, hein, vraiment, vas-y, suis-moi. Ouais. C'était vraiment chaud ce qui s'est passé, c'était pas une bonne idée, je pense, de les confronter là tous les deux en FaceTime. Et ouais, là pour le coup, ça a totalement fail. Le truc que je veux dire, c'est qu'on a pas non seulement le problème de Jeff the Killer, mais maintenant qu'on a le problème de Slenderman. Donc là, ça a complètement foiré, et ça a même empiré, j'ai envie de vous dire. Bon, en tout cas, je pense bien qu'on va quitter la maison pendant un bon moment. De toute façon, on devrait déménager très très bientôt. Restez bien connectés sur la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont arriver. Et puis bon, je pense que c'est officiellement la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, c'était moi-même et Sim Spooky. Allez, ciao.